Vous voilà maintenant tout juste arrivé à Eau Profonde. La ville des merveilles, la cité des splendeurs, comme on l'appelle. Après moult aventures, moult choses vécues, finalement pas en si peu de temps, parce que votre voyage a dû prendre une cinquantaine ou une soixantaine de jours depuis votre départ de la porte de Baldur, mais néanmoins bien rempli, bien chargé. Et j'imagine pour vous qui ne vous attendiez pas spécialement à vivre tout cela. Cela fait quelques heures que vous êtes rentré à Eau Profonde et que vous peut-être allez vous chercher du repos bien mérité, ou peut-être allez vous faire autre chose. Randall, que fais-tu toi en arrivant à Eau Profonde? Et qui es-tu surtout? Randall, c'est un demi-orc. C'est un demi-orc qui a une fière allure. Qui se tient noblement, toujours très droit, toujours très très imposant, pas très bavard peut-être, on ne sait pas, on verra. Il parle quand il est en confiance, mais il ne parle pas nécessairement aux autres. On développera ça. Il porte une longue veste couleur verte. Avec deux épaulettes, une épaulette de cuir renforcée d'un côté et de l'autre une petite peau, une fourrure comme ça de quelques créatures qu'il aurait oxy dans un passé peut-être pas si lointain. Il porte une belle armure de cuir, non pas ouvragée mais de belle qualité, de bonne facture sous son manteau. Il a la peau verte. Il a deux crocs qui remontent dans sa bouche. Il porte une coupe un peu hérissée, bien rasée sur les côtés, avec une belle barbe bien taillée. Il prend soin de lui. C'est quelqu'un qui prend vraiment soin de lui. Mais il a le visage marqué. Il a le visage marqué de ces gens qui passent leur vie dehors. Randall, c'est un marin. C'est quelqu'un qui aime le vent, qui aime l'eau, qui aime la liberté, qui aime ce que procurent les vastes espaces et qui s'est retrouvé embrigué dans toutes ces histoires, peut-être en le voulant aussi un peu ce goût de l'aventure. Et comme tout bon marin qui se respecte, quand il arrive quelque part, il va bien évidemment au port, parce qu'il y a des tavernes, quoi, en général. En tout cas, c'est ce qu'il recherche. En arrivant, il s'installe, il appelle le tavernier. Il se pose à une table, tranquillement. Il commande une belle chope de bière. Et un peu fatigué par tous ces événements de ces derniers temps, il s'installe confortablement, il fait un peu craquer ses épaules sur le fauteuil et il observe les gens en buvant, tranquillement. Et il y observera, vu qu'on est sur les docks, c'est une zone où il y a quand même pas mal de passages, hein, Eau Profonde étant une très grande ville. Il y a effectivement des gens de tous horizons, de tout peuple, même de toute classe sociale, en fait, au final. Il y a même des tavernes où les contremaîtres mangent avec les ouvriers, les dockers qui mangent avec leurs responsables. Enfin, c'est vraiment assez mixte, assez ouvert là-dessus. Peut-être es-tu accompagné par le révérend? Je vais laisser le révérend s'exprimer. En tout cas, moi j'aime bien sa compagnie. Il a quelque chose de qui m'énerve. Mais de rafraîchissant. Donc, sans lui avoir proposé, je pense qu'on s'est peut-être naturellement dirigé au même endroit. Je pense que vu ce qu'on vient de vivre, oui, le réflexe d'aller boire un coup ensemble ne serait pas forcément inopportun. Le révérend, qui est le seul nom sous lequel on le connaît, sous lequel lui-même se connaît, c'est un elfe, mais un elfe qui a une apparence un petit peu particulière, qui diffère de ce dont on peut avoir l'habitude. Il est entièrement chauve, il a le teint très pâle, presque grisâtre, et des yeux uniformément noirs. Il est habillé de manière plutôt élégante, assez sobre, et avec une tenue, malgré le fait qu'il ait une armure de cuir, il a des vêtements un petit peu amples, une tenue un petit peu cérémonielle, et il a une attitude et se présente comme étant, et comme son nom l'indique, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, il a une attitude de prêtre, il a une attitude de religieux, mais il n'est pas très, très sérieux pour autant, puisque
Il sert la divinité Lera, qui est la divinité du mensonge, de la fourberie. Et donc, il n'est jamais le dernier quand il s'agit de faire un peu n'importe quoi. Et depuis qu'il a été repêché dans la mer par l'équipage de Randall, il semble toujours être plus ou moins suivi ou accompagné d'une sorte d'image, d'une sorte de double de lui-même qui apparaît de temps en temps, comme pour le guider ou pour l'aider pendant un combat, sans qu'on sache vraiment qui est ou ce qu'est cette apparition qui est toujours plus ou moins présente en filigrane, avec laquelle il parle de temps en temps, avec cette même curiosité un peu absente qu'on aurait quand on parlerait à soi-même lors d'un moment d'introspection. Et il va clairement se pinter la tronche avec Randall. Ça a le mérite d'être clair. En fait, ça tombe bien, c'est la fin d'après-midi. Mais peut-être, du coup, Révérend et Randall, êtes-vous accompagnés de votre ami maintenant, j'imagine? Brock? Brock? Qui es-tu, toi? Alors, Brock, c'est un gnome. C'est un gnome. Il est vêtu surtout, enfin, il cherche surtout l'aspect pratique dans ses vêtements. Clairement, c'est quelqu'un qui a tendance à voyager. À côté de ça, il est équipé d'une comment? D'une armure et il a toujours aussi un bouclier à portée de main. Et dis donc, je me fais bolosser. Et il a avec lui un petit compagnon. Tout à fait, tout à fait. Un compagnon métallique qui n'a pas avec lui là dans cette taverne. Qui ressemble à un dragon. Et justement, Brock est un passionné dragon depuis qu'il en a vu un du haut de ses 5 ans, ce qui est très jeune pour un gnome. Et c'est ce qui l'a poussé d'ailleurs à voyager pour toujours plus étudier dragon, à la recherche de quelque chose peut-être. Mais Brock, il doit être assez content, parce qu'il leur a vu quand même 4 dragons en tout, dont un qu'il a combattu. Ouais. Plus des œufs, plus tout cela. Oui, totalement. Bah, c'est un peu assez life goal. Donc du coup, d'avoir autant en aussi peu de temps et d'en avoir vu un d'aussi près. Presque trop près, même. C'est ça. Il est aussi ravi qu'il s'est chié dessus sur le moment. Et donc voilà. Avec une pointe de déception tout de même. D'avoir dû le tuer. Non, même pas tant que ça, mais il pensait peut-être s'en tirer quelque chose, et ça n'a pas été le cas. Ouais, en soi, l'or que vous avez ramené, tous ces objets que vous avez ramenés, peuvent peut-être passer pour une compensation. Et maintenant que vous êtes de retour, oui, si, de retour, parce que vous y êtes déjà passé une fois, de retour à Eau Profonde, comment comptez-vous occuper cette soirée? J'ai bien compris que le but c'est d'oublier tout ça et d'aller mieux, mais quel est le but des prochains jours? Comment allez-vous occuper votre temps? Faire quelques emplettes, personnellement. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot. Faire des emplettes. Et peut-être passer du temps à synthétiser 2-3 trucs. Alors, Randall, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que le Rising Gold... était resté à quai à Eau Profonde. C'est ce qui me semblait aussi, de toute façon. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Sur son bateau. Non, mais c'était pour confirmation. Donc, il va retourner sur son navire
revoir un peu son équipage qui est à quartier libre depuis un petit moment. Il va aller voir son second pour débriefer un petit peu, mais surtout, ouais, il porte un amour inconditionnel pour son navire, pour le Rising Gold qui lui est très cher. Et mis à part quelques emplettes qu'il fera, je pense qu'il va rester sur le bateau. L'intuition lui dit que il est voué à faire d'autres choses, et surtout ce qu'il a amené ici à la base, il n'a pas encore trouvé. Et vous allez le retrouver assez souvent, silencieux sur le pont, pas nécessairement dans sa cabine, mais plutôt sur le pont avec le reste de l'équipage, mais parfois seul, à regarder vers l'horizon, vers le large. Il y a peut-être pas méditer, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, il va rester un peu contemplatif de la mer. Qui doit être une forme d'apaisement aussi pour lui, imagine, non ? Ouais, d'apaisement, de communion. Il est très proche. Et le révérend, il veut faire quoi, le révérend ? C'est là, oui, révérend, vous êtes revenu, on vous a dit venez là, mais. Ouais. Sans vous donner plus d'infos, quoi. Et c'est pas forcément si choquant que ça pour le révérend. Qui va revenir de temps en temps au navire aussi, puisque c'est un peu le seul foyer qu'il ait jamais connu, puisqu'il a été repêché amnésique il y a maintenant quelques mois, avant que toute cette histoire commence. Et donc c'est à la fois son seul foyer et un peu sa seule famille. Mais il va aussi errer un peu en ville, qui est le premier contact qu'ils ont avec la civilisation depuis leur départ de cette même ville, du coup. Et il va un peu errer au gré des rues, toujours précédé ou suivi de cette espèce d'ombre de lui-même. Il va se laisser un petit peu porter, parce que ça fait un petit peu partie du culte de sa déesse, culte dont là aussi il n'avait pas forcément conscience, mais la seule chose qu'il avait sur lui lorsqu'il a été repêché, c'était un pendentif, un symbole divin de l'Era, et donc n'ayant aucun souvenir, ou en tout cas des souvenirs très troubles et contradictoires d'existence passée, bah, il s'est dit que il était serviteur de cette déesse de l'illusion et de la tromperie, et que il allait s'en contenter et vivre selon ces préceptes là et tout ce qui lui est arrivé depuis, il considère ça comme soit le destin, soit la volonté de sa déesse, c'est une épreuve à laquelle il est soumis, soit une putain de grosse coïncidence qui a fait que les choses se sont passées exactement de cette manière, et finalement ça lui va. Et donc il va de temps en temps errer dans la ville, d'une taverne à l'autre, d'une place à l'autre, observer les gens, et se laisser un petit peu porter, se laisser un petit peu guider par cette incarnation étrange de lui-même qui est peut-être... Un signe de la déesse qu'il vénère, et il va attendre un signe ou une occasion de boire des coups ou de jouer des farces à quelqu'un. Il va se passer 4 jours entre votre arrivée à Eau Profonde et cette première soirée, j'imagine fortement alcoolisée, au moins pour deux d'entre vous, je sais pas le rapport qu'a Brock à l'alcool. Ah oui, si, puis même... Je lui ai proposé de l'alcool un peu plus fort que j'ai distillé en rentrant en bateau. Le bon alcool de papy, tu sais. L'alcool c'est de ça. Contrebande de papy. Le fameux. Oui, j'ai fait ça dans la soute. Vous en voulez ? Évidemment. Et on va faire 2-3 petites emplettes. Voilà. Aussi. Et on va considérer que ces emplettes-là ont lieu étalées, pas vraiment d'importance, mais étalées sur ces 4 jours-là. 4 jours qui vont aussi, j'imagine, vous servir à peut-être tourner un peu la page et laisser passer un peu des choses. Alors, le trajet d'une semaine depuis la citadelle de Porte-Ciel vous a sûrement servi à ça aussi. Mais le fait peut-être de revenir sur le bateau pour Randall et le révérend, revenir en ville pour Brock, peut-être que ça a marqué le coup de « c'est bon ». On a fait quelque chose, c'était un peu compliqué. Même très compliqué par moment, et voilà, vous avez quand même vécu dans des conditions qui sont pas très agréables par moment. Le marais, vous n'êtes peut-être pas resté très longtemps, mais le marais des morts, c'est pas réputé comme étant très accueillant.
Les combats ont été âpres, quand même. Mais même si les hommes lézards sont désormais vos alliés, peut-être que les morts qui ont engendré cette rébellion vous restent peut-être quelque part sur la conscience, quand même. Pareil, porte-ciel, bon. Vous avez combattu un dragon blanc, quand même. C'est pas rien. Ce sont des adversaires farouches, violents, et sans aucune considération pour vos petites vies, en fait. Au terme de ces... Comme je disais, pardon, 4 jours plus tard, nous sommes le midi. Vous êtes tous les trois attablés, toujours peut-être à la même auberge, non loin du Rising Gold. En train de terminer votre repas, gentiment, peut-être avez-vous pris un digestif, ou peut-être avez-vous pris une bière. Probablement que la lassitude commence à vous gagner aussi, ou peut-être pas hein, d'ailleurs. Quand rentre dans la taverne une femme dont l'habillement dénote un peu avec le reste de la clientèle. Et c'est peu dire, puisque effectivement c'est une clientèle assez mixte, mais quand même assez axée sur le fait d'être docker et les métiers, on va dire, physiques. Ou commerçant en tout cas. Elle clairement est habillée pas comme une noble, mais pas très loin, un peu comme une majordome, comme une servante en tout cas noble, ou en tout cas quelqu'un qui semble lié à la noblesse. Et elle rentre dans la taverne qui commence à être bondée à cette heure-ci, et elle plisse les yeux, elle semble chercher visiblement quelqu'un ou quelque chose là-dedans. Elle a à peine avancé dans la taverne, visiblement elle n'est pas là pour consommer. Et puis ses yeux font 2-3 allers-retours comme ça, son regard se promène sur cette taverne bondée. Et s'arrête sur vous. Et cette personne-là, cette humaine, s'approche de vous, droite comme un i, un port très... très altier, très noble, comme je l'avais déjà décrit pour son habillement. Elle a les mains dans le dos, vous regarde, navré d'interrompre votre repas, mes chers seigneurs, mais seriez-vous à tout hasard des amis d'un certain Leosin Erlantar? Ça se voit tant que ça. Sans vouloir faire de choses peu agréables ou peu communes, mais on m'a décrit un demi-orc à la peau verte, un elfe à la peau pâle et complètement chauve, et un petit gnome habillé de manière originale. Enfin, pardonnez-moi, mais ce sont les propos que j'avais, et on m'a dit que je pouvais probablement vous trouver ici. Mais, yeah. Veuillez m'excuser, je m'appelle Georgia. Et cela va peut-être vous surprendre, mais je suis envoyé par sa seigneurie Neverember elle-même. Au cas où vous ne seriez pas d'ici ou ne le sauriez pas, s'il s'agit du dirigeant de cette cité, qui la dirige évidemment avec les avec les masqués, mais... Bien sûr, je savais. Je me recoupe un bout de fromage et je continue de manger. Et on peut savoir quoi est-ce qu'on nous recherche ? On a fait quelque chose de mal ? Rassurez-vous, rien de mal justement. C'est que plutôt que vos exploits récents sont venus à nos oreilles, et ce fameux Leosin Erlantar a fait envoyer quelqu'un avec un message ici. Cette personne est arrivée il y a quelques jours et... Le seigneur Dagoult et quelques-uns de ses associés souhaitent vous voir. Vous sentez que dans le mot « quelques associés », elle a clairement minimisé la chose. Et elle jette des regards à gauche à droite pour voir si on n'écoute pas trop. Comme si elle voulait pas tout dire en public, vous voyez. Et le seigneur Dagoult, on sait qui c'est ? Le seigneur Dagoult, c'est le seigneur, le seul seigneur non anonyme de la ville. La ville est régie par un conseil de gens masqués, dont on ne connaît pas l'identité. Et en fait, le seigneur Dagoult est le seul qui ne porte pas de masque. Et il a été nommé par les autres pour faire office de figure officielle. Parce qu'il paraît que ça perturbait les gens d'avoir affaire que des dirigeants masqués. Donc ils se sont dit, on va en mettre un qui n'est pas masqué, ça les rassurera.
Très bien, et vous savez pourquoi nous sommes quémandés ? Elle s'approche de toi à une distance que la politesse exige, tu vois, et que la bienséance se veut de respecter. Je crois par rapport à un certain culte du dragon. Mais loin de moi l'idée de m'immiscer dans ses affaires, je ne suis qu'une assistante. Très bien, je me retourne vers les autres. Je me doutais bien que cette histoire resterait pas derrière nous. C'était bien d'avoir 4 jours de vacances. Moi, j'ai bien aimé. On a bien profité. C'est vrai. Autant continuer sur un aussi bon filon. On va pas lâcher celle-là. Je me retourne à nouveau vers elle. Et j'imagine que... il nous quémande maintenant. Eh bien, contre toute attente, non. Il vous quémande ce soir. Je tenais moi-même... J'ai pris l'initiative de faire cette recherche plus tôt. Que cette heure-là, et de ne pas revenir les mains vides auprès de mon seigneur. Mais non, il vous quémande ce soir à 18h. Allez au château, les gardes sont au courant, ont votre description, et je m'engage à leur redonner une description plus précise. Et si cela n'est pas suffisant, prenez ces laissez-passer. Et elle vous tend chacun un papier avec le sceau de... d'eau profonde dessus. Si vous les ouvrez, vous verrez que c'est effectivement un laissez-passer officiel pour rentrer dans le château. Présentez-vous au château ce soir à 18h. De ce que j'ai compris, vous aurez à discuter. Bien. Est-ce entendu de votre côté ? Jette un rapide coup d'œil aux autres pour l'approbation. C'est d'accord. Prévenez peut-être que je serai deux. Elle tic. Comment ça, deux? Tu vois qu'il lève un peu les yeux, qui regarde un petit peu et qui pointe du doigt une silhouette dans un coin de la taverne qui se tient un petit peu à l'écart et qui lui ressemble un petit peu. Et qui rapidement se fond dans la foule et disparaît. Eh bien, pardonnez-moi, je n'étais pas au courant que vous étiez quatre, alors. Mais je n'ai que trois laissés passer, donc. Il serait. Ne vous inquiétez pas. Faites pas de soucis, ils sont comme ce bout de pain et ce bout de fromage, toujours ensemble. Ça lui arrache un petit sourire en coin. Eh bien, si c'est entendu de votre côté, c'est entendu d'une autre aussi. Et je ne voudrais pas abuser de votre temps et de votre patience, peut-être. Et je vous souhaite une très bonne fin de repas. Et nous devrions probablement nous revoir ce soir. Avec plaisir. Mais je lève ma chope. Ce soir donc. Elle fait un signe. Après le repas. Je retourne à nouveau vers les autres. Je sais pas pourquoi, mais. Cette histoire. Personne qui vient nous rechercher dans une taverne, ça. Je sais pas. Quelque chose de réchauffé, vous trouvez pas? En même temps, si quelqu'un veut venir nous trouver. C'est plus vite fait de venir nous trouver dans une taverne. C'est là qu'on a le plus de chances d'être, la plupart du temps. C'est vrai. Tu voulais qu'elle nous trouve où ? Isengold, par exemple. Ouais, peut-être qu'effectivement, il y a passé un peu moins de temps qu'ici. Je suis d'accord. Peut-être qu'elle en vient. Effectivement. Ils ont l'air d'être très très bien renseignés. Je suis surtout assez étonné que Léozin ait donné des nouvelles et qu'il ait des informations sur nous et qu'il soit apparemment en lien avec les dirigeants de Waterdeep. Étrange. De toute manière, on en saura plus ce soir. J'espère que ça craint pas pour lui. Bon, s'il a survécu aussi longtemps en étant au cœur du culte, c'est que ça doit aller. Ouais, je me fais pas trop de soucis pour lui non plus. Il faudrait qu'on réfléchisse à ce qu'on va éventuellement dire ou non à ces seigneurs de la ville par rapport à tout ça. Faudrait-il savoir ce qu'ils nous veulent avant de savoir quoi leur répondre? Bah, apparemment c'est au sujet du culte du dragon, donc ils veulent peut-être avoir plus d'informations sur ce qu'on a pu découvrir au château ou dans la citadelle. Attendons de voir les questions, ne répondons pas à tout tout de suite.
Après, de toute façon, s'ils vont partir du culte, ils ont probablement déjà les réponses. Qu'est-ce qu'on a à perdre à leur donner des informations si ça peut servir contre? Ça dépend à quelle fin ils ont besoin de ces informations. Est-ce que c'est pour prendre la relève? Est-ce que c'est pour les annihiler? Il y a plein de solutions possibles, on les connaît pas. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient nous voir? C'est étrange. Attendons ce soir et puis on verra à ce moment-là. Au moins, on aura toutes les informations à ce moment-là, c'est vrai. Donc vous terminez votre repas tranquillou, c'est ça? Pas de hâte non plus là-dessus. Je le termine assez rapidement et je vais retourner à bord du bateau, simplement pour aller voir mon second, Char, qui est un tiflin, à la peau un peu bleue. Mais un mec assez robuste, un peu garde du corps aussi. Et je vais un peu lui confier les rênes du bateau à nouveau, en lui disant que, je sais pas, il y a un truc qui me dit que je suis prêt de remonter à bord. Tu fais un signe de tête avec un petit regard de dessous ses cornes, un petit peu espiègle, l'air de dire on a l'habitude, patron. Mais sans forcément le dire verbalement, tu vois, mais il approuve, il est fier que tu lui donnes ta confiance au final. Ouais, j'ai entièrement confiance en lui, hein, pour le coup. Ok. Les autres, rien de particulier? Non, je demandais à Brock, est-ce que depuis qu'on est en ville, tu as eu l'occasion de te pencher un petit peu plus sur les livres qu'on a récupérés à la Citadelle? Pas plus que ça, non. J'avais besoin d'avoir quelque chose sous la main avant, mais je compte bien m'y pencher, oui. Je pense que je vais passer la quasi-totalité des prochains jours là-dessus. Besoin d'aide, n'hésite pas, même si je suis bien moins qualifié que toi sur la science des arcanes et autres technologies bizarres. C'est probablement vrai, mais je n'hésiterai pas. Et puis on va tranquillement attendre la soirée, peut-être en tout cas le révérend, il va, non pas qu'il ait des monceaux d'affaires, mais il va plus ou moins se préparer à partir, comme s'il sentait dans l'air que, comme il l'a dit, ils avaient bien profité de leurs 4 jours de repos et que ça allait peut-être pas durer si longtemps que ça. En parlant de feeling, de sensibilité à l'air, pour reprendre tes propos, enfin à l'air, je m'entends, hein. Est-ce qu'il y en a parmi vous, dans vos personnages, hein, j'entends évidemment, qui sont sensibles à la musique et au son? Pour qui la musique est quelque chose d'essentiel, quelque chose de bon en fait pour vous? Ou pas du tout? Non, pas nécessairement pour Randall. Ouais, pareil, c'est pas quelque chose d'assez mathématique ou de Brock. Ouais, un petit peu pareil pour le révérend, qui de toute façon un peu compliqué pour lui les centres d'intérêt, parce que des connaissances ou des envies ou des accointances qu'il peut avoir avec certains domaines. C'est assez fugace. Il a un peu un syndrome, étant amnésique et sachant pas trop ce qu'il a vécu avant. Des fois, il a des espèces de flash, des trucs qui ressurgissent un petit peu, et de se dire, ah tiens, en fait, je connais bien telle région ou je connais bien tel truc, j'aime beaucoup ça. Et en fait, la nuit d'après, il va rêver de quelque chose qui est complètement différent et qui a rien à voir. Donc il y a des fois où il va apprécier la musique, parfois la musique va lui rappeler certaines choses, mais ça va être assez fugace en fait. Quelques heures après votre repas, il est environ 4h30, 5h, c'est un peu difficile, surtout que bon, vous n'êtes pas hyper pressé non plus par le temps, parce que le château n'est vraiment pas loin, puisqu'il est juste ici, au nord de votre position, donc 20 minutes de marche, 30 minutes de marche tout au plus. Vous êtes en train de vous affairer à vos tâches, peut-être êtes-vous sur le Rising Gold ou dans une taverne. Toujours est-il que vient se passer un élément étrange, et qui n'est pas juste dû à cette
appréhension curieuse que vous pouvez avoir par rapport à ce qui vous attend avec ce seigneur Dagult et Neverember, va se passer quelque chose d'assez... j'ai pas vraiment de mots juste là-dessus, assez étrange, assez ésotérique. Presque occulte, si j'ose le terme. Puisque venir un moment, peut-être êtes-vous en train de marcher dans la rue, et d'un coup, vous allez ressentir un immense silence, un immense flottement dans l'air. Les chiens qui jappaient juste avant se sont tus, les oiseaux qui pépillent dans les arbres ou dans leur nichoir sur les docks se sont tus, les mouettes notamment se sont tues, les gens ont cessé de parler. En observant bien autour de vous, certains, particulièrement les enfants, ont comme eu une sorte de malaise et sont tombés au sol très brièvement. On se relevait assez rapidement quand même, mais comme une perte de conscience. Vous, de votre côté, vous n'allez rien entendre, j'entends, hein, à part ce silence qui en devient presque bruyant au final, parce qu'on est dans une très grosse ville. Il y a tout le temps du bruit, hein, au profond, tout le temps, encore plus sur les docks. Le bruit des bateaux, le bruit des grues, le bruit des cordages, le bruit des vagues, ne serait-ce que ça. Tout semble s'arrêter pendant une fraction de seconde. Et vous avez l'impression de... Ouah, comme si vous tombiez, en fait, comme... Vous savez cette sensation quand on rate la première marche quand on descend d'un escalier? Vous voyez? Une marche qu'on n'a pas vue. Et bien exactement ça, en fait. Ça va durer une demi-seconde, je le répète encore, et... Ouf! L'impression de tomber, une boule aussi, au creux du ventre. Puis d'un coup, tout revient à la normale. Les gens recommencent à parler, les chiens aboient de plus belle. Même si certains d'entre eux, vous pouvez remarquer, aboient plus timidement. Et les gens se regardent, l'air incompris. L'air... Vous n'êtes pas les seuls à avoir ressenti ça. Ceux qui sont tombés à terre, les rares qui sont tombés à terre inconscients, se relèvent, l'air de dire « je comprends pas ce qui s'est passé ». La ville s'est littéralement arrêtée de faire du bruit pendant une demi-seconde. Et... reprendra son activité après ça, mais timidement, encore une fois, l'air incompris. Ça n'a pas été douloureux, j'entends, au sens physique, même magique du terme, mais particulièrement perturbant. Comme si quelque chose avait lavé la ville de son brouhaha habituel. Et là, je sais qu'on en jette, mais... Ouais. Je disais bien que c'était trop bizarre pour que ce soit nous. Moi, je vois pas comment ça aurait pu être nous, de toute manière. Soit tout le monde a décidé de reprendre sa respiration exact au même moment, ce qui est très improbable, mais pas impossible. C'est possible. Ça fait souvent comme ça quand on est dans une taverne, mais là, dans la rue, j'avoue que c'était la première fois, quoi. Et puis toute la ville, les animaux aussi. Même les mouettes, hein. Ouais, silence complet. Même les mouettes. Ah oui, même les mouettes, silence complet, quoi. C'est dommage que ça ait pas duré plus, d'ailleurs. Ouais. Moi, les mouettes, j'y arrive pas. Autant je me suis habitué à beaucoup de choses. Le mal de mer, tout ce que tu veux. Mais les mouettes. Mais les mouettes, c'est la terre, c'est la liberté. Je peux pas reprocher aux mouettes. Ce doux bruit quand on arrive sur le rivage, non. Non, vous pouvez pas dire des choses pareilles. Les mouettes, c'est un bon rôti, guère plus. Ça se mange bien en plus, effectivement. Quand on crève la dalle, c'est toujours un bon plan, mais surtout quand on les entend, la terre est là. Ça reste des gueulardes. Bon. Ouais. J'en connais un autre. Ouais, mais moi, c'est pas seulement quand la terre est là. C'est vrai. Même en pleine mer. On va peut-être te bouffer aussi. Je monte l'écrou. Bon, allez, trêve de plaisanterie. C'est bizarre, mais... C'est moins ragoûtant, tout de suite. Ouais. Oui, oui, pas grand-chose à lui plumer sur le crâne, hein, ceci dit, mais bon. Je suis sûr que je le rendrai malade. Ouais, mais c'est déjà le cas. Bon, allez, mettons-nous en route, sinon on va être en retard. Et vous dirigez vers le château, du coup? Yes. Ouais. Vous traversez les rues, toujours, visiblement, même pendant tout votre trajet, les gens
n'osent presque pas parler à voix très haute. Au final, il y en a évidemment quelques-uns qui le font. Mais il y a quelques gens, notamment les jeunes, les enfants, les adolescents, qui ont toujours ce regard un peu hagard. Qu'est-ce que je viens de vivre, en fait? Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais globalement, la vie a repris son cours plutôt normal en ville. Vous présentez au château. Les gardes vous regardent d'un air suspicieux, interrogateur. Ils vous dévisagent de haut en bas. Puis s'écartent, en disant que vous répondez au signalement et que un serviteur vous attendra dans le hall du château pour vous conduire. De toute façon, en arrivant, je lâche un « c'est nous !» Coucou, c'est nous. Brock, on bossera un peu tes entrées quand même. C'est pas toujours comme ça qu'il faut se présenter, mais on en parlera. Oh, on était attendu de toute façon. C'est vrai. Vous traversez une cour pavée avec des pierres d'excellente facture. Le château comprend une enceinte, hein, elle aussi. Il constitue, comme vous avez pu l'expérimenter à Verdure il y a cela presque, enfin un peu plus de 2 mois même, le dernier refuge en cas d'attaque de la ville. Même si bon, bien fou serait celui ou celle qui assiégerait au profond. Toujours est-il que vous pénétrez dans le grand hall qui est composé d'un très beau sol en marbre avec des tapisseries au mur, des tapis au sol. Des grandes tables, visiblement, vous êtes rentré directement dans la salle de banquet, la salle d'accueil. Immédiatement, après cela, un jeune serviteur d'une quinzaine d'années, enfin, je dis un ou une, c'est difficile à dire. Il a un aspect assez androgyne, c'est compliqué de donner un genre à cette personne. Vous accueille timidement, mais toujours aussi droit, avec visiblement toutes les bonnes conduites que la noblesse veut se donner. Et si vous voulez bien me suivre, messire, le seigneur Dagoult et ses invités vous attendent dans une petite salle affrétée à la réunion qui va se tenir. Je vous serai gré de me suivre et de rester calme. Il y a des gens qui travaillent ici. Il serait de bon ton de les respecter. On a littéralement rien dit encore. Je n'ai pas dit de ne pas parler, mais suivez-moi, ne vous perdez pas non plus. Je me tourne vers Brock. T'as entendu, on fait pas de bruit. Je hausse les sourcils, j'acquiesce. Je réponds rien. Et je vais me retourner instantanément vers Randall. On fait pas de bruit. J'ai rien dit. Je peux parler encore. Bon bah allons-y. Il vous fera déambuler ce serviteur-là. D'abord au rez-de-chaussée en suivant un tortueux labyrinthe de couloirs, puis monter un escalier, puis des petits couloirs enchaînés, puis encore un escalier, mais c'est ce coup-ci un demi-escalier pour passer un demi-palier. Une petite coursive, hop, le retour du deuxième demi-escalier. Vous fait passer dans un couloir qui, lui, semble plus sobre, néanmoins riche. Il n'en fait pas de doute là-dessus. Nous sommes à Eau Profonde, une cité riche, dont le château montre bien cela, d'ailleurs. Les bois sont parfaitement vernis au sol, il n'y a pas une seule tache. Des tapisseries au mur, des tableaux, des objets d'art par-ci par-là, mais néanmoins moins exubérant qu'au rez-de-chaussée, moins démonstratif au rez-de-chaussée. Mais il vous fait emmener devant une porte qui a l'air toute simple, une porte en bois avec une serrure qui permet de la verrouiller à clé, en bois encore une fois verni, sans être trop tape à l'œil. Il se tient droit, comme il, devant la porte, la main sur la poignée. C'est ici que je vous laisse. Ces seigneurs et damoiselles vous attendent de l'autre côté.
Ça ressemble pas à une salle du trône ou quoi que ce soit. Ah non, non, ça a l'air d'être... Non, ça a l'air d'être une salle... Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas encore rentré, mais d'extérieur, ça présente pas du tout comme une salle de trône, quoi. On est plutôt dans des étages type appartement, quoi. Peut-être appartement d'accueil, tu vois, ou pour les invités. Des chambres d'hôtes, peut-être. Mais rien, pas de... Rien d'officiel, en tout cas, là-dedans, quoi. Et il clenche la porte. Et si vous êtes prêts, ce fut un plaisir de vous emmener jusqu'ici. Et Yel pousse la porte. Et vous faites conversation, vous nous manquez. Quel est votre nom? Je m'appelle Sahel. Sahel. Enchanté, Sahel. Ce fut un plaisir pour nous aussi. Plaisir bien partagé. Et en passant, je mets une petite tape sur l'épaule. Ça fait plaisir de discuter avec vous. Essayez de pas perturber vos collègues. Et je rentre à la pièce. Tu le la mets mal à l'aise. Et tu vois qu'elle commence à rougir un petit peu. Et mais il y a un petit sourire au coin des lèvres. Et il commence à détaler un petit peu en direction de l'escalier que vous venez de prendre. Bon, en passant, je mets un petit signe. Enfin, je lui fais un petit signe des têtes. Derrière cette porte se tient un vestibule, en fait, c'est clairement le nom que ça porte, une antichambre, en fait, où il y a des patères le long des murs, des porte-manteaux sur lesquels sont déposés des capes, des vêtements d'apparat, des manteaux, des demi-capes en fourrure, voilà, qu'on met sur les épaules, vous savez, des choses très nobles, très riches, mais visiblement d'origine très différente, et 2 mètres plus loin se tient une autre porte, qui elle est légèrement entrouverte et de laquelle viennent visiblement un sacré brouhaha de conversation. Il semble être toutefois un peu animé, sans être véhémente, mais un petit peu animé. Je vais tellement écouter pour essayer de savoir de quoi il parle avant qu'on arrive. Ok. T'as bien fait de parler parce que j'allais dire je vous l'apporte, moi. Deux salles, deux ambiances. Deux PJ, deux approches. C'est ça qui est bon. Alors, qu'on y aille, j'ai dit. On nous a dit de pas parler, mais j'espère que ça va pas être ce merdier. Hein. Ça va être insupportable. Si on peut pas parler avec ceux le font. On y va. C'est bien d'écouter aussi. Tu veux écouter? Je te laisse procéder au premier jet de la campagne, à savoir un jet de perception. Ça va soit être magnifique, soit être déplorable. Et ça va donner le ton du truc, ouais. Allez, perception, on est parti. J'ai quand même un plus 8. Il se passe, ça se passe pas trop mal. Ouf ! C'est un 3. Voilà, qui se transforme en 11 quand même. J'ai vu le 19 faire. Moi aussi, ça aurait été tellement beau. J'aurais claqué un petit 27 là. Tu entends des conversations, tu entends souvent le mot culte qui revient. Et beaucoup de conversations, je ne te donnerai pas les propos exacts, parce que j'avoue, je n'arriverai pas à les improviser spécialement. Mais des gens qui disent « Non, mais il faut faire ça de telle façon, non, mais il faut qu'on fasse ça. » D'autres qui sont plus là, en arrière, des hommes, des femmes, voilà, qui sont « Non, mais attendez, attendons qu'ils arrivent pour voir si on a toutes les informations. » D'autres qui disent « Mais non, moi je vous dis qu'il faut faire comme ça. » Visiblement, il y a un conflit autour de quelque chose à faire. Ou peut-être ne pas faire, a priori, hein, selon les points de vue. Ça dépend. T'entends quelque chose, Averant ? Je crois qu'on est attendu. Et je Merci. Pense que, contrairement à ce que dit Brock, on ne va pas avoir le loisir de rester silencieux. Je pense que ils attendent des informations de notre part. Donc on y va. Donc on y va. Et je vous la porte. Et cette j'ouvre brillamment. Je Bim bien claqué quand tu il rentre comme ça, quoi. Tu lances un Eldritch Blast sur la porte. Allez, c'est nous que voilà. C'est nous. Coucou, c'est nous. C'est avec Brock derrière. Et puis les révérends.
Et de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la porte, t'as un petit druide qui se prend la porte dans le nez. Qui s'appelle Shayban. J'ai rien fait. Shayban. Cette porte donne sur une grande salle. Clairement une salle de réception, puisqu'il y a, dans le sens de la longueur, donc elle part droit devant vous, une très grande table en bois, visiblement massif, ce qui est impressionnant en soi. Comment ils l'ont monté ici, c'est le secret. Enfin, c'est la question que tu peux peut-être te poser tout de suite, Randall. Et autour de cette table... Probablement pas, non. Je sais pas. Non, mais c'est pour ça que je dis je peux, tu vois. J'apprends à connaître les persos aussi, au final. Bien sûr. Nous aussi. autour de cette table se tiennent une bonne vingtaine de personnes de tout genre, de toute origine et de tous accoutrements aussi. En bout de table siège un homme que vous identifiez assez facilement comme étant le fameux seigneur Dagul Neverember, qui porte son armure, hein, d'ailleurs, son armure d'apparat, clairement. C'est pas une armure de guerre, c'est une armure pour faire joli, pour faire état de son rang social et de sa noblesse. Et autour sont dispersés, comme je le disais, certains sont assis, d'autres sont debout, mais visiblement sont formés comme des groupes, des clans, autour de cette table-là. Et c'est assez original, parce qu'il y a, comme je disais, des elfes, des demi-elfes, il y a des nains, il y a des humains, des humaines, des gens qui semblent plus nobles que d'autres. D'autres sont habillés en armure lourde, d'autres en armure de cuir, d'autres n'ont pas d'armure du tout. Certains sont en robe, d'autres en toge. Enfin, immensément d'origine, clairement, la majorité de ces gens ne sont pas du tout d'eau profonde. Et certains, vous pourriez mettre votre main à couper, ils ne sont pas du tout de la région. Alors, pas du tout de la côte des épées. Pas la côte au sens géographique du terme, je veux dire, pas la région dans son ensemble, mais qui ne sont pas du tout originaires du secteur, en tout cas. À votre entrée, le silence se fait, et toutes et tous vous regardent comme si ils essayaient, entre guillemets, de vous déshabiller, de vous jauger, certains même de vous juger. Peut-être est-ce malaisant pour certains d'entre vous, peut-être pas. En tous les cas, le seigneur Dagul Neverember va se lever et ouvrir les bras grands comme ça. Ah, bienvenue. Je vois que vous avez bien reçu notre invitation. Et me voilà très content et très reconnaissant de votre venue ici. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, vous et moi. Mais avant toute chose, je souhaiterais faire un rapide tour de table et vous expliquer pourquoi vous êtes ici. Nous vous avons, nous tous, moi en ayant pris l'initiative en premier, et il y en a certains autour de la table quand ils disent ça, ils n'ont pas l'air très très d'accord avec ce qu'il dit, mais se taisent poliment. Nous avons entendu parler de vos agissements envers le culte du dragon. Oui, ne prenons plus de pincettes. C'est un fait. Le culte du dragon est ici. Le culte du dragon est là. Les informations se recroisent. Et on pourrait très clairement représenter une menace pour le secteur. C'est là que vous entendez quelqu'un qui tape sur la table. Et comment ? Et cette personne-là, vous le reconnaissez puisqu'il s'agit de Ontar Froom, que vous avez déjà vu à El Turel, qui est ici avec sa grosse barbe, sa grosse bedaine, son armure visiblement étirée pour contenir sa bedaine. Mais il est là, et il tape. Et il suffit d'un regard au seigneur Dagult et à ses voisins pour le calmer immédiatement. Il ne rougit pas, par contre, ceci dit, mais reprend un petit peu sa place, se cale dans son dossier, des mains sur son plastron. Et le seigneur Dagult va reprendre la parole. Et tous ces gens-là seraient, comme moi d'ailleurs, nous serions tous très curieux d'entendre votre récit, car nous n'avons eu que des bribes d'informations. Mais avant toute chose, en bonne personne,
Je pense qu'il est nécessaire que je présente toute cette assemblée que j'ai ici convoquée. Il va montrer une personne qui est à sa droite. C'est une femme, une elfe de la lune. Voici Crémalia Aventry, qui elle représente le parti des Ménestrels, dont vous avez, si j'ai bien compris, déjà croisé l'un de ses collègues, Léosine Ralanta. Juste à côté, je crois que vous vous connaissez, se tient notre cher Ontar Froum, qui représentera ici l'ordre du Gantelet. Juste à côté de Ontar, se tient un demi-elfe, visiblement très en retrait, parce que sa chaise est elle aussi un petit peu reculée. Et il porte sur toi, révérend, un regard très profond, très étrange, très interrogateur. Comme s'il cherchait à savoir qui tu étais. Visiblement, les autres, ils ne semblent pas se concentrer sur vous. Mais quand tu croises son regard révérend, un petit point de malaise, peut-être un petit... comme une impression de déjà-vu. Dagoult va reprendre la parole et montrer cette personne. Voici Delan, qui représentera en cette soirée et pour notre réunion l'enclave d'Emeraude. Juste en face de cette personne, juste à côté, pardon, de cette personne, se tient un nain. Un nain qui a l'air au port au moins aussi altier que Dagoult lui-même. Celui-ci le présentera comme étant Conerad Broadenville, qui représentera les communautés nordiques des nains vivant au hall de Mithral. Et ce seigneur-là, lui, daigne vous accorder un petit signe de tête, un air un petit peu ronchon et un petit peu suspicieux, mais gardera le silence lui aussi. De l'autre côté de la table se tient un homme. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, au moins de réputation. C'est pas Dagoult qui parle, pardon, là c'est moi. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler de réputation. Il a la peau noire. Il porte une armure d'excellente qualité, un plastron noir, et un symbole représentant un point dans une flamme. Dagoult reprendra la parole en disant « Juste à côté, nous sommes ravis d'accueillir le seigneur Ravengard, qui représentera ici la milice des points enflammés et plus largement la porte de Baldur. » Lui, il se tient très droit par contre dans son siège. Là, on jure un peu avec Ontar, qui est lui aussi en armure. Ontar qui est avachi un peu dans sa chaise, les mains sur les accoudoirs, les mains sur la panse. Lui, l'air est très droit, les doigts croisés pardon, devant lui sur la table, le port vraiment rigide, militaire, et il vous regarde, vous fait un petit signe de tête. Juste à côté de Suldair Avantgarde se tient un autre elfe, qui lui a un port aussi assez noble, mais vous savez, cette noblesse elfique. Cette noblesse, vous savez, avec les épaules très hautes, en arrière, le menton un petit peu haut, ce teint de peau éternel en fait, comme s'il n'avait jamais perdu sa jeunesse. Dagoult va le présenter comme étant le roi Melandrak, qui nous vient tout droit de la forêt brumeuse et est un émissaire de cette dite forêt ainsi que de la haute forêt. Il représentera donc les peuples elfiques. Lui, par contre, ne daigne pas du tout vous attribuer un signe de tête, à peine un regard. Et ensuite, son regard vient se promener sur les autres, peut-être sur Ontar, qui a visiblement un air un peu déplacé pour lui, mais il se retient, tout dans la retenue, encore une fois. À côté de lui se tient quelqu'un qui dénote un petit peu. C'est un humain, la peau ridée, parcheminée, une grande barbe blanche, les cheveux blancs eux aussi, qui lui vous porte un regard... très intrigué et a l'air vraiment de vous dévisager, savoir qui vous êtes, clairement. Il a l'air parfaitement curieux par rapport à vous. Et Dagoult dira, nous sommes aussi très heureux et très fiers d'accueillir parmi nous le seigneur Taerne, qui représentera la ville de Lune Argent.
et plus particulièrement son école de magie. Et lui vous fait un petit signe de main, comme ça, en baissant la tête. Salut que je lui rends, d'ailleurs. Tu vois qu'il te fait un esquisse de petit clin d'œil, là, en te regardant, pour te montrer qu'il l'a vu. Et enfin, à la gauche de Gold Never Ember se tient une femme. Qui, elle aussi, porte l'armure, mais dispose d'une canne qui est posée contre la table, moitié contre sa chaise et contre la table. Une canne en os, visiblement, à n'en pas douter, vu la couleur blanc du calcium, enfin, couleur blanche typique de l'os, qui elle est vêtue de pourpre, notamment, en plus de son armure. Elle vous regarde aussi, l'air très intriguée, mais pour une fois très fière. Visiblement honoré de vous rencontrer, de vous voir ici. Et enfin, c'est Dagoult qui parle, pardon. Nous sommes ravis et immensément reconnaissants de la présence de Sir Isteval parmi nous. Elle représentera plusieurs parties, notamment le guet de la dague et les quelques ressources qu'elle peut offrir ou les quelques intérêts qu'elle peut avoir ici. Mais plus particulièrement le Cormyr et ses chevaliers pourpres et ses mages de guerre. Et elle fait clairement un salut de tête, mais on est presque sur de la révérence. Mais emplie pas de fausse politesse ou de fausse modestie comme on peut en voir dans la noblesse. Emplie de sincérité et de fierté et de... Vraiment, si c'était son tour de parler, elle aurait dit c'est un réel honneur de vous rencontrer. Du coup, je la salue... De la même manière. Elle te rend un sourire franc et sincère. Eh bien, Dagoult qui parle. Eh bien, maintenant que les présentations sont faites, il sera soin. Prenez un siège, s'il vous plaît. Et il y a quelques serviteurs qui vous amènent. Comme je l'ai redit, hein, il y a ces gens-là qui sont assis. Vous serez assis avec eux. Et autour, il y a toute une... visiblement des assistants, des conseillers qui sont derrière chacun, chacun et chacune des personnes qui sont présentes là, qui elles sont debout en retrait et ne semblent même pas oser chuchoter entre elles. On vous fait apporter trois sièges qui sont confortables, on vous propose de boire un verre, c'est du vin rouge qui est servi à table. Il y a aussi un pichet de bière, si vous le souhaitez. On vous amène évidemment trois verres ou des chopes, selon ce que vous buvez. Et Dagoult va tendre la main vers vous depuis son bout de table, vous êtes à l'opposé par rapport à lui. Et vous dire, eh bien, je pense que c'est à votre tour de vous présenter, car nous ne savons même pas réellement vos noms. Et si ce n'est pas trop abusé, nous aimerions aussi entendre votre récit. Et notamment... ce que vous avez fait et comment vous avez découvert le culte. Je me lève, les mains posées sur la table, et je me redresse d'un coup, et je prends un peu la même attitude que Sir Isteval, vraiment le côté très, très noble, très révérencieux. Je suis Randall Brokenbridge, je suis le capitaine du Rise Hill Gold, et voici les membres de mon équipage, en tout cas certains. Le révérend qui vous expliquera ce qu'on fait ici, ce qui s'est passé. Je regarde pas, hein. Je l'ai désigné volontaire. Et Brock la pompe, notre fidèle mécanicien. Et il y a cette personne à terre, un homme, qui hoche la tête, qui sourit. Si tu peux me permettre, mais pourquoi la pompe en fait ? Il se caresse la barbe comme ça. Pour faire simple, c'est dû à un dispositif de mon invention. J'en ai un sous la main si vous voulez, mais ce n'est peut-être pas le moment. Non, et nous aurons tout le temps, nous aurons tout le temps après pour en discuter. Mais c'est, je reconnais que c'est intriguant. Vous m'intriguez, petit homme. Vous m'en voyez ravi. Il y a Dagoult qui essaie de reprendre un peu, qui tend la main en direction de Terne. Oui, vous aurez effectivement tout le temps d'en discuter après. Eh bien, Brock, Randall,
révérend, si tel est votre nom en tout cas, que vous souhaitez qu'on vous donne. Nous sommes tout ouïes, racontez-nous. Le révérend va lancer un petit regard en coin à Randall. Qui le regarde en souriant. Hein. Qui se rince. Voilà. Avec un mélange de reproches et d'amusement. Et il va faire un pas en avant, se courber légèrement. Et dire « Je me nomme effectivement le révérend, ce n'est pas ainsi que je souhaite être nommé, c'est le seul nom que je me connais. » Et en disant ça, il laisse son regard traîner un peu en direction d'Elan. Sans appuyer, mais au moment où il dit ça, son regard croise celui d'Elan en toute innocence. Je suis... Nous sommes honorés d'être en présence de telle personnalité. Je prendrai néanmoins la liberté d'aller droit au but, puisque les sujets dont nous parlons sont de la plus grande importance, et je ne souhaite pas vous faire perdre votre temps. Je ne sais pas de quelles informations vous disposez déjà concernant le culte. Nous-mêmes, ce que nous le savons de manière relativement fortuite, même si nous avons, je pense, infiltré un certain nombre de leurs repères, en tout cas dans la région, bien que nous ignorions l'étendue de leur organisation. Nous avons fait voyage de Verdure jusqu'au Pic Gris, en passant par ici et par un château qui se trouve dans des marais par lesquels on accède via les marais des morts, entre Waterdeep et Neverwinter. Taerne va t'interrompre là-dessus. Pardon, j'ai perdu ma voix. Taerne va t'interrompre. Le château Nairitar, c'est cela, non ? Tout à fait. J'en ai entendu parler. Vous m'en parlerez aussi après. Je serais curieux de savoir. Volontiers. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de nous attarder dans ces différents lieux, puisque nous étions plus ou moins à la poursuite de certains membres de ce culte du dragon, dont nous avions croisé la route à Verdure lorsqu'ils ont attaqué le village, dans le but non pas de faire des victimes, mais de réunir du butin. Ça a semblé être le cas à différents endroits dans la région, et ils ont acheminé ce butin jusqu'à travers les marais, jusqu'au château, et au-delà, par des moyens qui nous semblent encore un peu mystérieux, certains portails, apparemment, que nous avons pu emprunter également, jusqu'à une citadelle qu'ils avaient construite ou récupérée auprès de géants des nuages. Et qui se trouvait au niveau des pics gris. Attendez, c'est encore Terran qui parle. Vous êtes allé dans la citadelle de Porte-Ciel ? C'est oui. Celle-là dont vous parlez ? Je ne suis pas fou. C'est bien ça, nous suivions l'une des responsables du culte, qui s'appelait Resmir. C'est, ma foi, intéressant. Mais... qu'avez-vous fait de cette citadelle ? Excusez-moi, mais je ne vois pas de citadelle. Vous n'êtes pas venu avec ici, visiblement. Non. Effectivement, nous n'étions pas en mesure de la piloter. Elle semblait appartenir, ou en tout cas être contrôlée, par un géant appelé Blagotkus, qui faisait mine de s'être allié au culte, mais qui avait d'autres plans, je pense, et qui nous a aidés à... eh bien, à vaincre les membres du culte qui se trouvaient dans la citadelle, y compris un dragon blanc appelé Glazael, qui gardait là, je pense, la plus grosse partie du butin qui avait été amassé depuis un certain temps par le culte. Et quand tu mentionnes le fait que la citadelle a été reprise par le géant, par Blackotkus, il y a le nain Conera de Brownenville qui serre le poing sur la table et vous regarde. Vous avez
laissé cette citadelle aux géants ? Pourquoi ne l'avez-vous pas reprise pour nous ? Vous savez ce qu'ils vont en faire, ces trucs-là ? Il ne nous a pas caché qu'il était en train de réunir une armée dans le nord. Pardon ? Et vous avez osé lui rendre cette citadelle ? À ce chien ? Nous ne lui avons rien rendu. Il en disposait déjà. Et si nous avons pu vaincre le culte grâce à son aide et à celle des autres géants qui étaient présents à bord, nous n'étions absolument pas de taille à lui reprendre quoi que ce soit. Si vous avez été taille à tuer un dragon, vous étiez taille à tuer ce chien galeux de géant. Vous savez ce qu'ils ont fait à mon peuple pendant des siècles ? Et vous m'apprenez qu'ils massent une armée comme ça au nord ? Je l'ignorais et j'en suis désolé. Et vous prie de croire en l'absence de mauvaises intentions de votre part. Cependant, il me semble que ce qui nous a motivés à agir de la sorte et ce qui, il me semble, vous a tous motivés à vous réunir ici, c'est une menace commune, un ennemi commun. Et c'est dans cette optique, et après que ce géant nous ait dit qu'il avait l'intention de combattre les dragons, que nous n'avons vu aucun inconvénient à le laisser disposer de cette citadelle qui, encore une fois, ne semblait pouvoir être contrôlée que par lui. Ou en tout cas, ils étaient largement en nombre par rapport à nous. Visiblement, t'as eu les mots juste en lui disant que tout le monde était là dans le même but. Et il croise ses petits bras musclés sur son torse, les mains sous les aisselles, se met en arrière et regarde Dagoult. Je désapprouve fortement cette action. Et Ontar, qui s'avance un petit peu, se racle la gorge, tousse un peu, et boit un coup dans sa chope. Et regarde toute l'assemblée, et particulièrement son camarade nain, en disant... Je peux comprendre que cela vous embête, mais je soutiens réellement ces personnes. Pour les avoir rencontrées, vous voyez, je pense que ce sont des gens très bien, et que s'ils ont agi ainsi, ils n'avaient soit pas le choix, ce que j'ai compris c'est cela, ou alors que c'était dans l'intérêt de tout le monde. Alors, Conérad, avec tout le respect que je vous dois, et il crache un peu le mot respect, je vous serais gré de respecter nos amis ici. Et Dagoult va reprendre la parole. Il est vrai. Respectons-les. J'entends votre point de vue, Sir Conérad, mais laissons-les nous donner un peu plus de détails. D'abord, que faisait le culte du dragon avec... cette citadelle, que faisait-il au château Naeritar ? Et si vous le savez, pourquoi pille-t-il ? Car depuis le début de votre aventure, je suis au regret de vous annoncer que les pillages n'ont pas forcément cessé ici. Il y a plusieurs seigneurs qui hochent la tête d'approbation là-dessus. Je vais tourner la tête en direction de mes deux camarades, comme pour vérifier qu'ils n'ont pas d'objection à ce que j'aille un peu plus loin et que je rentre un peu plus en détail. Je te fais un petit signe de tête d'approbation. Un truc imperceptible, c'est peut-être plus quelque chose qu'on a développé au cours de ces différentes aventures qu'un vrai... Non, vas-y, vas-y. Un truc que seul vous deux pouvez comprendre, quoi. Moi, je te souris simplement. Et tout aussi rapidement, dans le même geste, sans m'interrompre, je vais reprendre la parole. Les détails des plans du culte nous échappent encore, mais il semble que, et encore une fois, je vais aller droit au but, il semble qu'il soit en train de rassembler les différents ingrédients qui leur seraient nécessaires pour accomplir un rituel.
Et certains de ces ingrédients est apparemment, je ne sais pas si vous en êtes conscient, une certaine alliance avec Tay et ses magiciens. Grand silence dans la salle quand tu annonces ça. T'as Ontar qui vient carrément cracher par terre, en fait, à la mention de ce nom-là. Et qui va prendre la parole. Et qu'est-ce que ces chiens de talus ont à voir là-dedans? Bordel, soyez clair par contre. Nous avons croisé deux d'entre eux. Nous avons éliminé l'un des deux, l'autre nous a échappé. Mais en laissant derrière lui un livre qui explique comment on pourrait libérer des créatures emprisonnées dans un autre plan. Et d'après ce que nous avons pu lire, et d'après ce que nous avons pu entendre en suivant le culte à travers la région, c'est que ces adorateurs de dragons semblent avoir pour objectif de libérer Tiamat elle-même. De nouveau un grand silence, et là, cette fois-ci, en plus, les chuchotements apeurés des conseillers slash serviteurs des gens qui sont ici. Et tout le monde se regarde un peu de gauche à droite, comme ça. Excuse-moi, Randall, vas-y. Non, c'est moi qui t'interromps. Quand ils prononcent le mot Tiamat, je vais tous les observer les uns après les autres pour voir s'il y en a un qui a l'air étonné ou pas. Il y en a un qui n'a pas l'air étonné, c'est Taern. Taern qui, vous l'aurez, je pense, compris, est visiblement l'un des érudits à cette table, en tout cas. Parce que, pour vous qui avez quand même pas mal voyagé, que ce soit récemment ou dans le passé, Lune Argent est quand même un énorme repère de magiciens, très compétent. L'on raconte que leurs sortilèges de protection et leurs enchantements sont parmi les plus puissants. Ils viennent même concurrencer Tay dans ce domaine. Okay. Et lui, par contre, il a l'air pas vraiment surpris dans l'affaire. Par contre, il a un air grave aussi sur le visage. Et il va s'avancer les coudes sur la table en te regardant, révérend. Depuis le début, c'est toi, de toute façon, qui raconte tout ça. En disant, puis-je, ce n'est pas abusé, jeter un œil sur cet ouvrage? J'imagine qu'en personne prévoyante... Vous l'avez pris avec vous. Je vais me tourner vers Brock. je vais sortir de mon sac. Et tu lui donnes? Vous voyez d'ailleurs dans l'écarter 2-3 trucs dans le sac et puis finit par. C'est chling ping pouring pouring. Un peu ça. Le sac sans fond, non? Après rien. C'est ça. Et ouais, je finis par le sortir. Je l'ai poussé, Ça, c'est des recettes de cuisine. C'est ça. Ça, c'est comment faire le fromage de mamie. Il le prend et il le regarde. Vous remarquez que d'ailleurs, les gens dans cette salle-là essayent, enfin, ou sont honnêtement, pour certains, respectueux du temps de parole des autres. Voilà, il n'y a pas d'interruption spécialement de la parole là-dedans. Les gens attendent patiemment que vous fassiez votre récit et que les conversations se fassent. Et le feuillet, visiblement, il semble presque savoir où chercher. Et il parcourt, vous savez, il lit avec son doigt comme ça, là. Comme les anciens, tu sais, pour suivre les lignes, visiblement. Et il tourne les pages exactement comme ça, Randall. Il tourne comme ça, tu vois. Et il le feuillete avec un grand respect parce qu'il a bien conscience d'avoir un bouquin antique dans les mains. Ce que j'allais dire, sinon je marmonne un peu dans ma barbe. Non, il le respecte quand même là-dessus. Vous voyez ses voisins qui regardent un peu au-dessus comme ça. Il lui les laisse faire. Et il feuillete et il lit en diagonale. Et il va marmonner. Je pensais que ce rituel était une légende, qu'il n'existait pas. Et là, il s'adresse un peu plus à tout le monde. J'en avais entendu parler, plutôt, je l'avais lu une rumeur sur ce... Pour moi, ce n'était que des contes, parce que personne ne peut ramener quoi que ce soit d'aussi gros, en tout cas, que Tiamat des Enfers. Mais visiblement, si. Ce qui me fait penser à deux choses. Une première liée à votre récit.
savoir que les magiciens rouges de Thès sont impliqués, c'est clairement pour mener ce sombre rituel à terme. Ce qui, vous l'aurez compris, vous toutes et tous autour de la table, ce qui est plutôt embêtant en soi, et carrément emmerdant, excusez mes mots, mais le retour de Tiamat, je ne vous fais pas de dessin, pourrait constituer quelque chose d'assez dramatique, et même d'apocalyptique, n'ayons pas peur d'employer les mots justes, pour toute la région, voire même tout le continent. La deuxième chose, c'est que ça fait écho pour moi en le lisant. Et il s'interrompt d'un coup, il te regarde, Brock, et dit vous l'avez lu, cet ouvrage, ou pas du tout? Je l'ai survolé, mais je vous avouerai que c'était plutôt au programme des prochains jours. Si j'avais su, je m'y serais plongé de suite. Je ne peux pas vous en vouloir après tout ce que vous avez vécu. Mais ça fait écho à autre chose que j'avais lu par rapport à au dragon. Peut-être que d'autres personnes ici sont plus qualifiées que moi. Et là, il te jette un regard, Brock, l'air de dire, même si j'en doute. Il le dit pas, hein, c'est vraiment le regard. Voilà, c'est, tu connais ce regard, Brock. Je me redresse un peu, je croise les bras et je pointe un petit rictus quand même, tu sais. Je suis très attentif. On rappelle une histoire que j'avais lue sur d'antiques artefacts, a priori disséminés un petit peu partout ici, d'en faire une. On appelle les masques draconiques. Ces masques-là, d'après la légende, sont directement liés à Tiamat et sont, entre guillemets, son héritage déposé sur Terre suite à son enfermement dans les enfers ou d'autres choses. Vous savez, après tout, ce ne sont que des légendes et on parle de temps immémoriaux que même vous, et là il pointe le roi Melandrak, sans vouloir vous offenser, vous n'avez peut-être pas connu. L'autre, il prend le truc comme ça, il approuve, il dit clairement, ça pas spécialement de réaction de sa part. De ce que je lis là, en tout cas en diagonale, peut-être pourrions-nous l'étudier ensemble, Brock, si vous le souhaitez. Visiblement, ces masques font partie du rituel. Cette personne, Resmir, c'est cela, qui dirigeait le culte là dans la citadelle, portait-elle un masque lors de votre rencontre, ou en avait-elle un autour d'elle? Alors, à ce propos. Elle n'avait pas de masque. Elle avait quelque chose dans un coffre. On l'a tué. On a ouvert le coffre, il n'y avait rien dans le coffre. C'est pas étonnant. À tous les coups, elle avait rangé ce masque-là et enchanté le coffre de manière à ce que son contenu soit téléporté on ne sait où. À son décès, c'était quelque chose d'assez courant et commun, en tout cas à faire. Et je suis prêt à parier que le culte doit être en possession de... Forcément, en possession de tous ces masques-là. Ma théorie, de ce que j'en sais en tout cas, mais si vous avez plus de détails à nous donner, n'hésitez pas à nous les donner en tout cas. De ce que j'en interprète là, aux premières lueurs de votre récit et de ce livre-là, c'est qu'effectivement, le culte, comme vous le dites, semble vouloir ramener Tiamat dans ce monde, ce qui est fâcheux, vous l'aurez compris. Et pour cela, a besoin de personnes à sacrifier, besoin de jeteurs de sorts, et a besoin de ses 5 masques. On peut présumer que cette organisation a les 5 masques. Visiblement, les magiciens rouges de Thès sont liés à ça. Même si je ne vois pas ce que leur enliche qui les dirige actuellement a d'intérêt à tirer de ça. Si ce n'est qu'il espère une once de puissance en plus de la part de la Reine des Dragons. Mais peu importe, nous ne sommes pas dans son esprit mort et décérébré. Et ça nous importe peu au final. Et les sacrifices, eh bien... Et Seigneur, ça ne va pas être compliqué à trouver. Nous vivons dans des régions peuplées, habitées.
Certaines personnes ont l'air très graves, notamment Sir Istéval et Dagult, qui ont vraiment des mines très très graves. Conerad a vraiment décroché son intérêt de la conversation et ronge son frein dans son coin. Il s'agite un petit peu sur sa chaise, il a l'air de plus en avoir grand chose à faire au final de ce qu'il se dit maintenant. Même s'il écoute, toujours. Et à mon avis, le trésor ne fait pas partie du rituel en lui-même. Mais est une forme de tribut à offrir à Tiamat. Car, peut-être ne le savez-vous pas, mais les dragons ont tous une obsession pour le trésor, pour ce qui a de la valeur. Pour ce qui brille, pour un trésor plus intellectuel pour certains, plus artistique pour d'autres, peu importe. Mais tous, eh bien, se constituent un magot. Et je vois que vous tirez les mêmes conclusions que nous. Je fais un petit sourire. Et j'en suis ravi. Et Dagul va reprendre la parole en disant « Cela est très préoccupant pour le moins, effectivement. Nous étions, je pense, mesdames et messieurs, tous loin de penser à cela, de s'imaginer l'ampleur de tout cela. » Et t'as une qui est restée silencieuse depuis le début, celle qu'il a présentée comme étant Remalia, Aventry, celle des Ménestrels, j'entends. Il se lève respectueusement et... Eh bien... Si je peux me permettre, monseigneur, pas tous,